Oui, rien que la musique du début, mesdames et messieurs, rien que la musique du début est fantastique. Et baissez peut-être un petit peu le son, vous ne croyez pas? Voilà, j'ai baissé le son du jeu à 50%. Je pense que ça devrait aller à 50%. Nous sommes en version 1.02.1, donc il se peut qu'il y ait des choses qui changent au moment où je fais cette vidéo. Alors pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur, je vous le dis honnêtement. Alors j'ai déplacé un petit peu la caméra, je vais la déplacer un petit peu. Je suis en haut à votre droite, je vais retrécir un petit peu l'image parce que j'aime bien laisser la place aux jeux vidéo, et ceux qui sont habitués à ma chaîne hein, qui viennent regarder mes vidéos sur FIFA savent que j'aime beaucoup laisser la place aux jeux, et donc vous verrez moins la cam, vous verrez plus du jeu. Avant de commencer à choisir un perso, on va d'abord aller dans la configuration. Alors moi, il y a un truc que j'avais enlevé au début, c'est le ciblage automatique. Alors ça va vous verrouiller automatiquement le personnage, mais moi j'avais enlevé ça au début parce que je trouvais que le ciblage automatique quand vous tuez un personnage, ça vous cible automatiquement celui-là le plus proche. Et des fois moi je préférais gérer mes propres ciblages. Donc finalement, à la longue, je l'ai remis un petit peu, et bon, il n'y a pas à s'en plaindre, mais c'était juste une préférence personnelle. Et puis au niveau des configs, quand vous allez dans les réglages de touche, moi j'ai mis sauter sur Y, voilà, parce que j'étais désorienté, je préférais avoir, parce qu'en fait la touche Y sert à valider les choix, alors moi je préfère le bouton A, donc du coup voilà, j'ai inversé, c'est tout. Donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas tout à fait les mêmes touches, sachant que sur PC on joue avec des manettes Xbox. Voilà, bon, les commandes sont les mêmes, juste à traduire les boutons. Nous, on va faire un nouveau personnage et on va partir en slip. Voilà. Donc, mais avant, on va parler un petit peu du choix des personnages. Alors, le vagabond, c'est un guerrier qui est déjà niveau 9. Tout d'abord, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans Elden Ring, c'est que en fonction du niveau, le personnage va être plus difficile à modifier. Mais c'est pas une fatalité. Parce que dans Elden Ring, il y a un endroit qui vous permet de farmer les points de compétences. Donc il faut y aller si c'est les devs qui l'ont mis en place, ils ont mis ça pour que vous puissiez performer avec votre joueur, c'est-à-dire changer quelques stats. Voilà, donc on va partir du principe que si vous choisissez le vagabond, par exemple, vous allez démarrer avec une bonne barre de vie, 15 en vigueur, 10 d'esprit, bon ben visiblement l'intelligence, la foi, l'ésotérisme, bon ben vous êtes quelqu'un de non croyant, l'intelligence pas très élevée non plus, donc en gros vous êtes une moule, mais vous êtes résistant. Et puis vous avez une force de titan, bon, j'exagère un peu, mais 14 en force, vous allez voir que finalement il y a beaucoup plus que ça. Puisqu'on a un personnage comme le guerrier, qui est, je trouve, un bon compromis. Je pense que c'est un perso avec lequel on peut démarrer aussi. L'intérêt, c'est que lui a quand même un peu plus d'ésotérisme, 9. Vous avez ici un barbare. Alors le barbare, bien évidemment, beaucoup de vigueur, beaucoup d'endurance, beaucoup de force, donc vous misez sur les dégâts. Malheureusement, votre manque de dextérité risque de peut-être pêcher un petit peu si vous voulez jouer un petit peu à l'arc, parce que l'arc nécessite de la dextérité. Ensuite, vous avez des classes très agiles. Alors, elle est level 5, d'ailleurs, vous noterez. Donc, on peut la modifier comme bon nous semble. Je vais réduire un petit peu la manette, j'ai peut-être un petit peu abusé. En bas à droite, voilà, ça c'est fait comme ça. Ensuite, donc l'assassin, c'est une classe qui est vraiment fait pour les tryharders, je dirais, en début, qui connaissent très bien le jeu, qui connaissent déjà très bien les patterns des monstres. Pourquoi? Parce que vous avez 10 de vigueur et vous n'aurez pas beaucoup de droit à l'erreur. Notez que si vous suivez un petit peu le credo et le bushido que je vais vous donner, vous allez voir que mourir, en fait, c'est juste
apprendre. En fait, il faut déconstruire ce que vous avez appris jusque-là au niveau des jeux vidéo. C'est juste, si vous appliquez les règles de base que je vais vous donner, vous allez voir que finalement, vous allez prendre beaucoup de plaisir à jouer et que mourir, finalement, c'est une fatalité, même voire une banalité dans Elden Ring. Niveau 6, ici, on a un astrologue. Alors, c'est des personnages qui misent plus... c'est des jeteurs de sorts, voilà. Très peu de vigueur, beaucoup d'esprit. Alors, ça manque de vigueur et d'endurance. Hein. Moi, pour ma part, oui, alors c'est bien parce que vous allez trouver... vous allez jeter des sorts et donc... évidemment, si vous faites toucher, si jamais l'ennemi se rapproche de vous à grande vitesse, en combat rapproché... Bah, je pense qu'il faut quand même déjà avoir un très bon niveau et connaître très très bien le jeu pour jouer sur ce genre de personnage. Pour ma part, je pense. Je vous déconseille, si vous ne connaissez pas trop Elden Ring, les Dark Souls et les choses comme ça, si vous ne connaissez pas les jeux de From Software, c'est pas le genre de personnage que je vous conseille. Idem pour le prophète, même si le prophète, on voit qu'il a quand même pas mal, un peu plus de vigueur. Mais il manque d'endurance, donc ça veut dire quoi? Que il est capable d'invoquer. Alors lui, il utilise des sorts plutôt de foi, donc de la magie de foi, donc des trucs de lumière, des choses comme ça. Donc je vous conseille, ça peut être intéressant quand même, parce qu'il a quand même déjà 10 de vigueur, c'est pas crade. Il a un petit 8 d'endu. Alors sa barre d'endu est peut-être un peu faible, donc vous n'aurez pas forcément le droit à l'erreur au niveau de l'esquive, c'est-à-dire que vous pourrez pas enchaîner 50 fois l'esquive. Il faudra faire très bien gérer votre barre d'endurance, ou pourquoi pas les premiers PC augmenter votre endurance. Étant donné que oui, ça serait peut-être la chose à faire, si les premiers points de compétence, les monter dans l'endurance et pourquoi pas un petit peu la vigueur, et puis après vous reprenez un petit peu votre parcours sur la foi. Vous avez déjà 16, hein. Ça c'est déjà bien. Ensuite vous avez le samouraï. Alors le samouraï est level 9, c'est un perso qui est très équilibré mais très bien monté, et puis il a un avantage non négligeable, et qu'il a une arme qui peut se jouer à une main ou à deux mains, comme beaucoup d'armes vous me direz, mais c'est un katana qui est vraiment très très rapide et très efficace. Ensuite, il est aussi équipé d'un bouclier, pour ceux qui veulent utiliser un bouclier pour contrer les coups de l'adversaire. Et pour ma part, moi je suis parti juste avec un gourdin. Donc je pense que si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, hein, je vous le dis honnêtement. Et puis il a un arc long, pas un arc court, un arc long, parce que j'ai oublié de le préciser que le bandit avait un arc court. Mais lui a un arc long. Donc c'est vraiment bien de commencer avec un arc long, surtout qu'en plus vous pouvez acheter des petits trucs chez le marchand pour pouvoir crafter vos flèches, donc ça c'est vraiment pas mal. Petit bémol quand même toutefois, c'est que l'arc long, il faut du temps avant de bien le maîtriser, donc entraînez-vous un petit peu à l'extérieur avant de vouloir l'utiliser sur les mobs un peu plus complexes. Je pense qu'il faut apprendre à l'utiliser un petit peu à l'extérieur sur des trash mobs. Vous allez voir que c'est au bout d'un moment ça va venir et finalement ça va être vraiment sympa. Ensuite il y a le prisonnier, je peux pas vous en dire grand chose parce que moi je l'ai pas testé, mais au vu de ses stats, c'est un personnage très équilibré. Donc visiblement on peut en choisir avec un bâton ou une rapière. Donc il fait des dégâts perforants, hein, de piercing damage. Les rapières. Ici, vous avez un confesseur. Le confesseur est très équilibré. C'est un personnage qui m'aurait bien tenté. Il a une épée, un bouclier, et puis on voit qu'il utilise de la foi. Donc, je pense que c'est vraiment un bon petit perso. Et puis, vous avez l'indigent qui commence level 1. Mais vous démarrez en slip. Alors ça, tout le monde a dit, mais non, faut pas jouer. Si vous savez pas jouer, n'utilisez, ne prenez pas ce perso. Je n'ai jamais joué à un Dark Souls. Je n'ai jamais joué à Elden Ring. Enfin, en tout cas, si je l'ai acheté exprès, donc j'ai jamais joué. J'ai pas fait de bêta. Et après avoir fait quelques tests sur quelques persos et avoir testé longuement le samouraï, quand je dis longuement, c'est quelques heures, j'ai trouvé que finalement, après avoir pris le coup, j'ai dit non, je pense que je peux partir sur le
sur l'indigent parce que pour moi le gros point fort de cette classe c'est de faire ce qu'on veut. Et puis il y a aussi un truc que vous noterez, c'est qu'il a 10 partout. Or que toutes les classes, regardez, elles sont déséquilibrées. Que ça soit en foi, ésotérisme, intelligence, ici vous avez 10. Et l'ésotérisme, c'est quelque chose qui va être intéressant pour nous, puisque c'est ce qui nous permettra, en tant que joueur, en démarrant, en tant que naturiste, on est en slip, mais vous avez bien compris que l'ésotérisme, il va falloir mettre des points dans l'ésotérisme, tout simplement parce que c'est ce qui va nous permettre de trouver plus régulièrement des objets. Et bien évidemment, nous, il faut qu'on trouve des objets. Le premier truc intéressant aussi, c'est que bah, les premiers points de compétence, il faudra peut-être pas forcément les mettre dans les points pour gagner en points de vie, en endurance ou quelque chose comme ça, mais plutôt s'en servir pour acheter de l'équipement chez le marchand au début, s'acheter une petite tunique, peut-être une petite épée, parce que si vous n'avez pas de chance, bah, ça ne drop pas. Donc moi je vais partir, tiens on va changer, on va prendre une femme, tiens, pour changer. On va mettre un nom, on va l'appeler Gaming. On va l'appeler Julia, tiens, j'aime bien Julia, c'est un joli prénom. Voilà, d'origine espagnole. Allez, indigent, c'est parfait, legs. Alors, les legs, ce sont les avantages avec lesquels vous allez partir dans la partie. Il m'a fallu un petit moment pour comprendre comment ça fonctionne, mais moi le truc vraiment bourrin que j'ai pris, c'est la graine dorée. La graine dorée vous donne, vous l'utilisez dans les feux de camp et vous pourrez augmenter le nombre de potions que vous allez avoir. Donc au début, nous, on s'en fout de la magie. Quand vous partez sur un indigent, vous allez vous concentrer sur vos PV. La magie, vous en faites pas. Du moins, sauf si vous jouez très bien au Dark Souls et que vous voulez en faire un caster. Dans ce cas-là, vous allez essayer de garder au moins une, deux potions de santé. Donc nous on va partir sur la graine dorée parce que bah, quand on l'utilisera on aura une potion supplémentaire. Mais si vous voulez prendre autre chose, je peux vous conseiller par exemple le médaillon incrusté qui va augmenter vos nombres de points de vie maximum. Ça c'est bien pour un caster. Je vous déconseille les clés lames de pierre. Ça vous en trouvez un peu partout chez les marchands, dans le monde, dans l'open world. Donc n'en prenez pas. Les branches envoûtées, je ne sais pas à quoi ça sert, j'en ai looté avec mon perso principal là il n'y a pas longtemps. Crevette bouillie, moi je vous dis ne prenez pas parce que de toute façon c'est des consommables, les consommables vous pouvez en trouver. Et le malheur de Chabriki, alors ça c'est un malus. En gros, les ennemis vont être plus agressifs, donc je pense qu'ils vont faire plus de dégâts ou vont vous tenter de plus loin. C'est pour rajouter encore plus de difficultés au jeu. Donc je vous le déconseille bien évidemment. Donc pour moi le seul truc, il y a un truc qui peut être vraiment sympa aussi, pourquoi pas si vous commencez avec un caster, si vous voulez faire de votre personnage un magicien, ce qui peut être bien c'est de prendre les cendres du diablotin, même si on en trouve un peu plus tard des meilleurs. Commencez avec des cendres, c'est à dire donc vous invoquez des petites créatures, et si vous voulez faire de votre personnage un magicien, ça me paraît vraiment sympa. J'ai pas testé mais ça me paraît quand même sympa, parce que au moins comme ça pendant que vos petits diablotins prennent l'aggro, vous ça vous laisse tout le temps. Ça peut vous aider au début, mais personnellement moi je vous recommande fortement les graines dorées, et puis testez, faites comme vous voulez. Voilà, la grâce dorée, là en fait c'est des runes, vous allez obtenir des points supplémentaires. Voilà, donc à part le médaillon, moi je vous conseille pas d'utiliser la rune, hein. Le médaillon vraiment bien, voilà, pour quelqu'un qui veut s'axer magie, ben forcément il montrera un petit peu moins sa vigueur, donc il va avoir un peu plus de PV, ça peut être sympa. Ou la graine dorée, donc nous comme on va faire un personnage plutôt équilibré je pense. Enfin, de toute façon je sais pas ce que je vais jouer, mais je sais pas si là, je vais faire 50 vidéos, mais c'est juste pour vous parler de ce jeu et de vous montrer que si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Voilà, on va choisir un modèle de base, on va regarder, tiens, on peut voir. Ah bah voilà, parfait. Allez, donc on démarre. Je vais abréger la cinématique pour pas vous spoiler. Je pense pas que ça vous fasse plaisir d'être spoilé. Quoique le début. Non, je vais abréger la cinématique. Allez, on passe à cinématique. Je veux pas vous spoiler. Donc si vous achetez le jeu, comme ça au moins vous aurez le plaisir de découvrir la cinématique chez vous. Je préfère comme ça.
D'accord. Donc là, on gagne une emote. D'ailleurs, ça va être l'occasion pour moi de faire, de vous parler un petit peu de l'équipement. Alors ici, nous, on démarre avec juste un petit gourdin. Et puis ici, vous avez des raccourcis. D'accord. Donc il faudra les utiliser, ces raccourcis. Ils s'utilisent en restant. Alors moi, c'est en restant appuyé sur A, mais comme j'ai changé le bouton, je vais peut-être. Attendez, je vais déplacer la manette. Ok, je sais pas si vous voyez la manette, mais là c'est un petit peu mieux. Voilà, là on voit le menu. Donc normalement c'est Y, mais comme j'ai interverti les boutons, pour moi ça sera A. Donc c'est plus pratique, vous voyez. Si vous faites B, vous voyez que B, on reste immobile. En restant sans toucher au stick, on fait un petit pas en arrière comme ça. Ça, c'est une esquive. D'accord? On peut esquiver vers l'avant en faisant une roulade. Vers l'arrière en faisant une roulade. À droite, à gauche. Et tout ça vous prend de l'endurance. D'accord? Vous pouvez passer votre arme à deux mains. Alors là, on est à une main. Vous voyez? Hop! Un petit coup sec. Un grand coup. Et on l'entend au bruit, hein, je vais vous côté. Voilà. Ensuite, ici, ça c'est un coup droit. Et ça, c'est ma rage. Alors ça, c'est une capacité d'arme. Parce que le gourdin a cette capacité d'arme. C'est un cri de guerre, un cri de rage. Il m'augmente mes dégâts. Donc on va récupérer le doigt qui va nous permettre de jouer en multijoueur. Ce jeu est tellement bon. Encore là, je tourne pas en ultra, hein. Je vous le dis honnêtement, le jeu est fantastique. Alors, je vais pas, je sais qu'il y a des vidéos qui vont vous montrer, mais normalement on arrive ici, on tombe face à un boss. Alors moi, j'ai pas l'équipement pour le battre, hein. D'accord. Mais on peut le battre si vous prenez le samouraï. J'ai vu une vidéo tuto, quelqu'un qui un français en plus, qui tue le minion à l'entrée du donjon là ici. Voilà, on peut pas le tuer. Et puis on n'a pas de quoi le tuer. Donc nous on a juste un petit gourdin, ça va être compliqué. Voilà, il va spotter là, il va arriver. Il va nous défoncer hein, de toute façon. Là, l'idée, ça serait. Alors là, vous voyez, si vous faites attention. Ah, il m'a fait un cri, j'ai perdu tous mes PV. Donc en fait, il faut gérer son endurance hein, dans le jeu. C'est pour ça que si j'avais un conseil de point à te donner, en tout cas, je sais pas si je suis le mieux placé pour donner des conseils à ce jeu. Et c'est surtout pour montrer si je peux le faire, vous pouvez le faire. Voilà, donc là on récupère les fioles et la magie. Moi ça m'intéresse pas vraiment. On va voir après pourquoi. Donc là je vous disais, on va aller voir un petit peu. On a notre, vous voyez, on a trois potions. Donc là on a maintenant notre équipement. On a l'inventaire, d'accord. Donc on peut tout changer ici, ici, ici. Là on a notre graine dorée qu'on va rajouter dans les fioles. Quand on sera au feu de camp. Ici, on a toutes les informations sur le statut. Et ici, bien évidemment, les messages qu'on peut mettre. On va mettre un petit message. Et on peut lire et noter. Non, on va dire c'est nul ça comme message. Franchement, t'aurais pu trouver mieux, mec. Allez. On va les dire. On va dire droit devant, mot, chose. Tactique de combat. On va dire. Invocation, fuite, confusion, il n'y a pas les affronter, élimination, cheval, vous voyez. Vous pouvez mettre plein de messages. Alors ça, servez-vous-en. Laissez des messages pour les joueurs qui jouent aussi, ça peut être sympa. Bref. On va mettre, tiens, objet clé. Voilà. Pourquoi je fais ça? C'est pour inciter les gens à faire le tutoriel, parce que j'en ai vu beaucoup qui n'avaient pas d'expérience dans le jeu et qui ont zappé le tutoriel. Alors là, on a, il nous dit, hein, immergez-vous dans l'art de la guerre. Donc en gros, il faut sauter dans le trou. Alors pour moi, le saut c'est Y. Vous voyez, donc d'où l'intérêt d'avoir mis le saut sur Y, parce que là, je peux sprinter et regarder, hop, appuyer Y en même temps.
Donc là, je saute. J'ai perdu des points de vie. Donc, on peut utiliser une potion. J'ai pas beaucoup de points de vie. Et on va aller réorganiser nos points, nos potions, tout simplement dans un feu de camp. Alors, je dis des feux de camp, mais en fait, c'est des sites de grâce. Hein. Ça ressemble à des feux de camp, donc bon. Alors, on va aller dans les fioles. On va ajouter une dose. Je mets une graine dorée, ce qui va me faire une fiole supplémentaire. Il fallait aller tout simplement dans les fioles et ajouter une dose. Donc là, on ajoute la graine dorée dans les fioles. Donc maintenant, je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça. Maintenant, il va nous demander de répartir nos fioles. Donc du coup, je démarre avec 5 fioles. Comme je vous l'ai dit, ici, on est en slip. Je pense qu'il y a plus la place pour des personnages hybrides. Nous sommes dans cette fameuse zone tutoriel que j'invite tout le monde à faire, bien évidemment. N'est-ce pas, Atis, si tu regardes cette vidéo, ce petit message sympathique est pour toi. J'ai vu ta vidéo où tu disais que ce jeu était trop dur, mais tu es complètement à passer à côté du tutoriel. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est que la furtivité marche très très bien. Donc hop, on verrouille la cible comme d'habitude, comme dans tous les jeux de vidéo. On va pas se prendre la tête, on arrive bien dans le dos et puis hop, un petit coup, et là regardez, bam, voilà, là il est mort, on n'en parle plus. Donc lui, il nous a vu. C'est pas on va sprinter, on va courir. Et on va lui mettre un grand coup dans la tête. Voilà. Comme ceci. Donc là, les coups puissants comme ça marchent très très bien dans Elden Ring. Bien évidemment, ici, ça serait mieux. Bon, vous savez quoi, il nous a vu, tant pis. Alors. Voilà. Le problème, c'est que moi, j'ai pas de garde. Hein. Donc là, on va utiliser la compétence de l'arme qui s'utilise avec l'autre gâchette. Hein. Voilà. Là, on va sauter. Vous voyez, petite erreur déjà. Voilà. Un petit coup derrière. Et je tape à 99 avec le cri de barbare. Pareil pour lui, hein, on va faire pareil. Alors, on peut esquiver. Parce que, visiblement, on va refaire le petit coup de barbare là. Alors attention de. Voilà, au début. Voilà. Quand vous faites des coups forts et puissants, il arrivera souvent que vous allez mettre des stuns à votre ennemi, à vos ennemis. Et pour le coup, vous allez entendre un bruit significatif et sourd qui vous indique que vous lui avez mis un coup critique. Il va se mettre à genoux et il va tituber. Mettez-vous en face de lui et puis vous appuyez sur la petite touche bien collée, quoi, la petite touche ici là, voilà, comme ça, juste, et puis ça va lui mettre un coup critique. Allez, donc là il nous demande de sauter. Hein. Moi j'ai changé le bouton C, Y pour vous ça sera A normalement. Et ici il faut sprinter. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va sprinter. Voilà, on va sprinter. On récupère quand même quelques petits trucs. Voilà. C'est bien. Alors là, on pourrait essayer la furtivité, mais ça marche pas parce que le tutoriel est fait pour vous apprendre justement à combattre différents ennemis. Ici, il nous demande de changer de style de jeu. Donc, qu'on va faire, c'est qu'on va faire hop, comme ceci. Voilà. Alors, vous avez. Oui. Voilà. Alors vous avez vu, j'ai fait tomber son bouclier grâce à un coup puissant. Alors attention avec les soldats comme ça qui ont une lance et un bouclier, parce que ils peuvent vous surprendre leur style de combat, donc faites très attention. Donc le dodge est vraiment intéressant, c'est-à-dire l'esquive, vous vous rapprochez et au moment où il va mettre un coup de lance, vous esquivez vers la droite et normalement vous devrez vous retrouver derrière lui dans le dos. Ça marche pas tout le temps, mais ça marche. Donc ici, on va utiliser le cri de barbare, on va sauter et on va mettre un grand coup comme ceci.
Voilà, et on leur met des 118 avec la masse, finalement. Alors, pour ceux qui sont étonnés de me voir jouer comme ça, alors que, bah oui, c'est la première fois que je joue à ce genre de jeu. Alors, attention, oula. Alors, lui, il faut pas... Voilà. Vous avez vu, un grand coup dans sa tête. Allez, on y va, on sprint. N'oubliez pas de cibler... Ah, il m'a touché. Il m'a touché. Alors, on va utiliser une petite potion quand même. On va garder des soins pour... Alors là, ça m'embête parce que j'ai plus assez de mana pour mon cri. Mais... Bon, tant pis. On passe derrière, on backstab. Voilà. Donc le jeu vous apprend à backstab en fait. Hein. Il faut être très patient en fait. La clé du jeu, c'est la patience. Je vous assure. Après, je vous expliquerai un petit truc que j'ai compris dans ce jeu. C'est que si vous partez faire de l'open world, explorer un donjon, l'astuce est très très simple. Partez les poches vides, entre guillemets. C'est-à-dire que la frustration de ce jeu, c'est de perdre tous ses points de compétence. Dans ce cas-là, dépensez-les. Partez à zéro, même si vous perdez 700 points, c'est rien du tout, parce que après arriver à un niveau, les ennemis vous rapporteront beaucoup plus. Donc voilà. Allez, on n'y est pas encore, mais je vous expliquerai un petit peu tout ça. Donc on va sprinter. Est-ce que je peux... Non, on va sauter. Là, voilà. Là, il fallait... Le battre comme ça. Sauter, mettre ce petit coup de... Alors, vous restez appuyé, vous appuyez sur le bouton. Là, je suis à une main, mais on va rester à deux mains parce que de toute façon, j'ai que ça. Hop, statue de Marika. Là, ce qui serait cool, c'est de mourir en fait. Parce que comme ça, je reviendrai avec 100% d'endurance. Bon, on va traverser le brouillard. Ce brouillard, vous allez le traverser souvent. On va tomber sur un boss. On va courir. Alors... Vous pouvez exécuter une contre-attaque immédiate après avoir bloqué une attaque ennemie. Alors ça va être problématique parce que moi, bloqué... Voilà, vous voyez. Et bam! Voilà. Faut juste être patient. Parfait. Donc on a battu l'ennemi, c'est impeccable. On démarre presque avec 600 points de compétence. Ça c'est très bien. On va les récupérer de toute façon, vous inquiétez pas. On va les garder. Félicitations. J'aime beaucoup... Hop, on prend l'emote. Et je vais vous montrer un petit peu. Alors... vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous parlais des clés. Les clés servent sur ces golems. C'est une clé que vous allez enfoncer, ça va activer le golem. Et ça va ouvrir des brouillards gris, comme ça. Alors, il y en a à d'autres lieux. Donc, c'est vrai que commencer avec les clés vous permettrait d'aller dans la zone, là. Ça serait bien de faire un personnage test pour voir ce qu'il y a dedans. Je trouve bizarre que certains n'y aient pas pensé. Mais... Bon, j'essaierai un jour, juste par curiosité, prendre les clés et tester, voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, ici on récupère le doigt crochu, je vous laisse regarder un petit peu à quoi ça sert quand vous serez dans le jeu. Vous voyez, on voit que j'ai combattu. Et là, hop. Elle est balèze, la demoiselle. Et là, c'est Nécrolimbe. Ça vous en met plein la vue. Ce jeu est d'une beauté incroyable. Alors, je sais qu'il y en a qui disent que les graphismes sont pas... En fait, c'est juste le level design qui est magnifique. Tout y est pensé, mais c'est d'une justesse incroyable. Et moi, je trouve que le jeu est
10 000 fois plus joli qu'Horizon, le dernier jeu qui est sorti. Ici, on est dans des couleurs et des teintes bien plus réalistes. On est bien plus immergé dans Elden Ring et dans un Horizon Forbidden West pour moi. Je trouve. Alors lui, vous pouvez lui parler. Et ça sert à... Alors, à partir d'ici, c'est un petit peu ici que la difficulté commence. La première des choses qu'il va falloir se repérer, c'est on va débloquer une carte. Hein. Donc là, on l'a pas, mais on doit suivre ces filaments dorés ici. Alors, suivre, attention, c'est un conseil. C'est, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et d'ailleurs, je vous déconseille réellement de les suivre. C'est-à-dire que vous, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'explorer et de débloquer toutes les chapelles que vous pouvez, parce que au moins ça vous permettra d'aller dans certaines zones et les explorer plus profondément et découvrir des petits donjons. On va récupérer des baies. Bon, ça sera fait. Et ici on récupère une petite effigie. Alors on va profiter pendant que la sentinelle là-bas, on l'évite hein, bien évidemment. C'est un boss vraiment trop fort pour nous. Alors, il va... Voilà, ça, vous prenez un petit peu de bestioles si vous pouvez, au passage. Voilà, ça coûte rien. Alors, on a pris deux, ça devrait suffire. Voilà. Donc ici, on va activer notre église. Donc nous voilà arrivés à l'église. On active la grâce, donc le feu de camp. Et donc là, en fait, l'objectif va être d'aller jusque là, ici. Parce qu'il y a un totem qui nous permettra de voir un petit peu plus la map. Et vous en avez un peu partout, donc il faudra les activer. Et ce que je vous conseille de faire, bien évidemment, si vous débutez Elden Ring, c'est de bien explorer avant de vouloir faire des donjons. Faites attention à ne pas vous retrouver dans une zone quand même trop haut niveau pour vous, mais ça vous permet avec le cheval d'éviter les combats. On n'a rien. Alors, à noter quand même quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a un coffre qui vous permet de mettre des objets de côté pour plus tard ou bah, si on veut créer un perso. Donc là, on va récupérer la rune qui est ici. On récupère une rune. Voilà. C'est une pierre de forge. Ça permet d'améliorer les armes. Bien évidemment, on va pas l'utiliser sur un gourdin. Ça serait ridicule. On est d'accord. Quoique, s'il frappe bien, pourquoi pas. Donc, on va abréger. Je vous laisserai écouter ce qu'il a à dire. Des recommandations. Alors là, vous voyez, quand vous demandez recommandations, il vous dit, je vous recommande d'acheter un nécessaire de fabrication, et c'est exactement ce qu'on va faire. C'est qu'on a, nous on a pris des points de compétence, vous voyez, on a 700, le nécessaire de fabrication coûte 300, donc il nous reste 400, voilà, et on a plus de sous. Alors on a plus de sous, mais il nous manque 100, d'accord. Alors on pourrait être tenté de se dire bon ben tant pis, je vais prendre autre chose. Le mieux, c'est là on va prendre un risque, même si quelque chose que je n'ai pas fait avec mon perso, c'est qu'on va les garder. On va les garder. Donc il nous explique 2-3 trucs. Hein. Vous prenez le temps de bien lire. Ne zappez pas, ça va être vital. Alors là, je cours vers le soldat rapidement. Pourquoi? Parce que je vais le cibler. Je vais m'approcher de lui. Je vais le backstab. Comme dans le tutoriel. Bam. Là, on attend qu'il se lève. Et bam. On lui met un grand coup dans sa tête. Soyez patient, voilà. Alors déjà d'entrée, hop, on trouve un bout d'armure. Et ben, ma foi, on est plutôt chanceux. Bon, on est moche comme ça, mais c'est pas grave. Allez, on va récupérer encore un petit peu de baie. Je pense qu'on devrait en avoir assez là. On nous sera utile un petit peu plus tard. On a des fleurs. Et puis, vous avez remarqué qu'il y a un soldat. Alors, soyez très vigilants parce que les ennemis... Des fois, on les voit pas bien. Donc, en tout cas, ici, bien évidemment, on va jouer
avec la furtivité, parce qu'elle nous donne tellement d'avantages, et on attend qu'il se relève. Voilà. Ne soyez pas, impatient. Attendez qu'il soit bien debout, parce que sinon vous allez frapper dans le vide. Il y a un moment donné où l'IA est totalement invulnérable. Donc, vous entendez le petit bruit, c'est des scarabées quand vous les tuez. Alors, ça, je ne sais pas trop encore à quoi ça sert. Vous me demandez à quoi ça sert. Alors ça, tiens. Merci. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Faites attention, les sangliers sont agressifs. On va récupérer quand même les fragments de ruines. Alors, quand vous avez un doute, vous prenez, puis vous cherchez pas à comprendre. Ici, on va tuer celui-là. Pareil, hein, même technique. Bam. Bam. On attend, on charge, et bam. Et on prend. On prend le sorbier. Ici, on va aller tuer l'autre là-bas. Alors, on va le faire. On va prendre la fleur ici. Alors, vous pouvez y aller en fufu. Hein, parce que de toute façon. Bam. Bam. On charge. Et on lui met un grand coup dans sa tête. Alors, on récupère les couteaux ici. Qui sont sur le cadavre. Et en fait, il y a un truc qui est vraiment cool dans ce jeu. C'est que... Il y a un truc qui est vraiment cool dans ce jeu, c'est qu'en fait, quand vous explorez, en fait, il y a... On va faire un combat à la régulière, on va le tenter. Voilà. Bon, je l'ai spammé un peu, mais évitez de faire ça. Hein. En plus, on a tombé. Mais dis donc, c'est vraiment incroyable. Cette chance fantastique. Regardez, deux bouts d'armure. Bah, déjà, on est bien là. Alors, c'est un truc de fou là parce que. On va activer quand même. Parce que le jeu nous invite à rentrer dans la grotte. Hein, je vous le dis honnêtement. Le problème, c'est que pour l'instant. On n'est vraiment pas du tout prêt pour rentrer dans la grotte. Donc, dans le jeu, vous allez trouver pas mal de grottes. Donc là, je l'active, mais on y reviendra plus tard, d'accord? C'est juste pour vous dire que voilà, vous avez une grotte ici. Pensez, c'est au début du jeu, pensez à venir à l'activer. Nous, notre objectif, c'est la flèche bleue que je me suis mis, le marqueur que je me suis mis sur la carte. On va récupérer la résine, les résines de racines. Ouais. Tuer le sanglier avant qu'il nous charge et on va récupérer. Ah non, rien du tout. Donc là, on a 700 de points de compétence. On va éviter le combat pour l'instant et on va aller directement activer le deuxième feu de camp. Enfin, excusez-moi, le deuxième site de grâce. Donc, il est ici. On va aller ensuite. Il faut explorer là. Le camp là, en face que vous voyez, il faut le faire. Ce petit camp là, ces ruines, il faut vraiment le vider. Prenez votre temps, faites-le une fois, deux fois, 10 fois, 50 fois. Prenez à contrer. Attention au capitaine parce que le capitaine est violent. Donc là, ici, on reçoit notre monture. Je vous appelle la cinématique, bien évidemment. Donc, on accepte. Elle va nous donner une. Un destrier et ça va être l'occasion pour moi de vous parler de ces sacoches invisibles. Donc fioles, on n'a rien à toucher pour l'instant les fioles puisqu'on n'a rien à mettre et on peut monter de niveau. Donc là, grâce à elle maintenant, on peut monter de niveau. On a 700 points. On pourrait tenter de monter un point dans la vigueur, la force. Donc si on met de la force, on augmente nos dégâts bien évidemment. Et si on met de la vigueur, on augmente nos points de vie. Et par là même aussi notre résistance. Pour augmenter notre résistance, notre dextérité, la force. Bon, on a que 600 points, donc bah, au début. Avant d'aller voir, retourner voir le marchand, on va y aller même à pied. C'est l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de la poche invisible.
ce que j'appelle la poche invisible, c'est qu'en fait, ici, vous pouvez mettre des raccourcis. Donc, vous faites changer avec Y. Moi, je vais mettre le cheval, comme ça. Ensuite, pour l'utiliser, c'est simple. Vous restez appuyé sur... pour vous, ça sera Y. Bon, pour moi, c'est A, hein, forcément, puisque j'ai changé. Et vous voyez, il est là. Hop, un petit coup avec... Sur le petit à droite, hop, comme ça, un petit coup, hop, voilà. Oui. Donc là, j'ai mon cheval. Maintenant, on va retourner là-bas. Alors attention, quand vous campez, les ennemis reviennent. Donc, faites très attention. Les ennemis reprennent leur position initiale. Pensez-y. Et on va utiliser. Je suis allé à la barbare, hein, comme on dit. Bon, voilà, on tue la tortue pour récupérer la viande. Je suis désolé hein, pour les amoureux des animaux et je suis navré pour vous. Mais c'est un jeu vidéo, hein. Dites-vous que c'est un jeu vidéo, voilà. On va aller voir le marchand. C'est important d'aller voir le marchand tout simplement pour. On a acheté le nécessaire de fabrication. Mais il nous faut bien évidemment les recettes. Et les recettes coûtent de l'argent. Vous pouvez en priorité. Et ce que je vous recommande fortement, même si vous n'avez pas l'arc, c'est de prendre la recette. Et puis, il nous reste 300. Donc, on va prendre une torche. Il nous reste 100. On va prendre les 4 kunai comme ceci. Enfin, c'est des dagues hein, de lancer. On va dire que c'est des kunai. Alors, on va mettre la torche ici. Vous voyez, on n'a pas de bouclier. On va mettre en deux ici, on va mettre les dagues de lancer. Et on va mettre ceci. Voilà. Maintenant, dans les objets à fabriquer, les murs, les baies qu'on a craftées tout à l'heure, on va les prendre et on va en faire 10. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça correspond pour, si quelqu'un est au courant. Voilà, donc voilà. Donc là on a crafté un peu de tout. Bien évidemment, et quand on regarde son inventaire, on a pourquoi j'ai fait des baies. Les baies c'est pour votre cheval, bien évidemment, ça va être très 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 important pour éviter si jamais il prend un mauvais coup. On reste appuyé sur hop le A, vous voyez là je fais apparaître la poche secrète on va dire entre guillemets. Donc ici vous pourrez mettre vos invocations. On fait au moins mettre une ou deux, ça fera gagner de la place. Et là, hop, si je fais ça, je donne à manger à mon cheval, ça lui restaure un petit peu de points de santé. Donc là, on a tout pour explorer. Fantastique. Voilà. Il nous faut des os pour faire des flèches, mais il ne faut pas que ça. Alors attention, ici, vous avez trois chauves-souris géantes. Au début, elles peuvent être un petit peu embêtantes. Donc si vous voulez pas les affronter, vous n'êtes pas obligé de venir là pour tuer ce monsieur. Voilà, on charge. Voilà, là, attaque sautée. Parfait. Donc là, il nous donne un petit coffre. Et on loot un espadon. Alors, on va tuer lui. Parce que lui, il donne l'alerte. Lui. Si jamais vous faites voir, ben déjà, dites-vous que lui, il sera pas là. Donc là, hop, on l'utilise. On prend l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire d'arriver... près du totem. Alors attention, quand vous mettez la carte, que vous êtes comme ça, le jeu ne s'arrête pas. S'il y a des ennemis qui passent et qui vous voient, ils vous attaqueront. Donc mettez-vous dans un lieu sûr quand vous observez votre carte. On va enlever le repère. Donc nous on est ici. On va aller, je vais vous montrer maintenant. L'objectif c'est d'activer un troisième feu de camp et de retourner à l'église. Parce que là on va rencontrer un personnage qui va nous donner des cendres.
qui c'est des créatures qu'on pourra invoquer qui nous aideront en combat. Deux trois trucs, enfin je vais vous montrer deux trois trucs sur la carte. Alors ici il y a une grotte. On va pas faire comme ça, on va placer un repère, on va passer un repère, on va mettre un diamant, tiens, voilà. Ici, vous allez, il y a une grotte, pas évidente, qui sera peut-être pas évidente au début, que je vous conseille pas de faire tout de suite, mais d'explorer un petit peu, de récolter, de monter de niveau, monter, essayer d'améliorer un petit peu votre arme. Surtout qu'au début, ça demande pas beaucoup de runes, donc faites-le. Mais à l'intérieur, il y a pas mal de runes de forge à récupérer, donc c'est très intéressant, bien évidemment. Ici, vous avez bien évidemment la grotte du bosquet, mais vous avez une autre grotte ici. Pardon. Vous avez une autre grotte, donc on va mettre un coffre avec des cendres à récupérer et un boss à battre et un truc sympa à récupérer. Bien évidemment, là, on a un feu de camp qu'on va y aller, bien évidemment. Hein. Bien évidemment, il y a un deuxième coffre. À l'intérieur des ruines, en sous-sol, vous avez un coffre à récupérer indispensable. C'est pour graver des cendres sur votre arme, c'est-à-dire lui donner des capacités spéciales. Ensuite, ici, donc c'est là qu'on va aller en fait. Hein. Ici, vous récupérez des cendres dans un cimetière. C'est les cendres. C'est un cimetière, il y a des morts vivants, il y a plein de méduses. Je crois que c'est plutôt par là, mais enfin, vous pouvez monter comme ceci, voilà, monter comme ceci. Et dans le cimetière, vous récupérez les cendres de soldats, les soldats que je suis en train de tuer, quoi. Donc, ils sont quand même plus forts que les loups, mais les loups ont quand même un avantage, qu'ils sont plus nombreux et prennent bien l'aggro. Les soldats sont peut-être plus utiles sur d'autres mobs. Ici, il y a un... Pardon, toujours ce problème de supprimer la valise. Voilà. On va mettre un repère. Ici, il y a un PNJ à aller voir. D'accord. Ici, il y a un autre PNJ. Encore une fois, excusez-moi, j'ai pas l'habitude du système de repère de leur carte. Ici, vers là, à peu près dans ces alentours, il y a un autre PNJ. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Ici, je crois que c'est vers là. Attends. Non, je crois que c'est par là ou par là, ça doit être par là je crois, ou par là, on va faire comme ça. Bon, on va le mettre là. Ici vous avez des runes à récupérer, il y a une grande statue avec des géants, ou c'est par là, je crois que c'est par là. Il faut que le géant détruise la statue, vous allez récupérer plein de gemmes, donc ça c'est peut-être le premier objectif à faire, c'est-à-dire que vous allez activer ce camp, parler au PNJ, ici, ici, et puis vous allez là, vous faites casser la statue au géant, et en fait, comme ça, vous récupérez des runes, et vous pouvez améliorer votre arme, et pourquoi pas, dans l'objectif d'aller faire cette grotte, vous voyez. Et puis ensuite, il y a une grotte par là, que je vous conseille fortement, et vous me remercierez plus tard. Mais moi je l'ai fait avec mon perso principal. Donc ici, il y a un donjon. Ici. Que j'ai trouvé par hasard. À l'intérieur, il y a un boss. Et vous récupérez un talisman. Les talismans, il n'y en a pas tant que ça, des talismans dans le jeu. Enfin, j'en ai récupéré quelques-uns pour l'instant. Mais ce talisman-là est vraiment très très fort. Et je vous le recommande, bien évidemment. Après, ensuite, évidemment, vous avez... Ici, sous les ruines, je pense que tout le monde l'a vu, ça dans des vidéos différentes de YouTube, vous avez une sorcière qui est un sorcier, une sorcière qui peut vous apprendre des sorts. Bien évidemment, vous avez tous les continents ici à explorer, et croyez-moi, ici, ça va s'ouvrir, il y a d'autres continents à explorer. Pareil là-bas aussi, il y a d'autres trucs, donc voilà. Et puis, par là, il y a un arbre, une racine d'arbre monde qui vous donnera une graine qui vous permettra d'augmenter encore vos potions. Ce qui fait que, là, il y en a une, mais vous en trouverez une autre par là, je crois, et par là, enfin, voilà, vous explorez. Et puis, par ici, vous allez aller par là, vous avez une grotte ici, il faut la faire. Il y a, on dit que votre monde est envahi, en fait, faisant penser que c'est un autre joueur qui vient
Et comment dire? Mais en fait, non, c'est juste un PNJ. Alors, il attaque rapidement. Il a deux dagues et puis il fait effet sanglant. Le saignement est vraiment très très violent. Il fait vraiment très mal. Esquiver ces deux attaques à distance de saignement. Et quand il met un coup, ce que vous faites, ce que je peux vous conseiller contre lui, c'est de mettre d'enflammer votre arme avec de la graisse magique, ou de mettre un effet magique sur votre arme avec une graisse magique aussi. Vous lui mettez un coup ou deux, vous reculez, pas plus. Un coup ou deux, vous reculez. Le but est de faire durer le combat, parce qu'après il y a un PNJ qui va venir vous aider. Vous poursuivez un petit peu le chemin là. Et ça va vous amener plus loin. Vous verrez de toute façon quand vous découvrirez. Et maintenant qu'on a activé un troisième TP, enfin un troisième cran, on va aller se téléporter dans l'église pour aller parler à une dame qui nous attend, un esprit, voilà. Donc vous approchez, allez lui parler. J'aime beaucoup son style. Elle est magnifique. Alors là, elle vous dit qu'elle a entendu des rumeurs. Donc vous dites oui. Voilà, là elle vous donne une cloche de... Donc elle vous explique que ça sert à invoquer des esprits de... Voilà, donc vous êtes content, ça vous fait une arme supplémentaire pour vous défendre. Donc là, nous on peut combattre maintenant. On peut combattre. Alors dans Elden Ring, j'ai noté qu'il y avait quand même quelque chose de très intéressant, qui est un système de contre. Vous restez hop derrière votre bouclier. Pareil. Là, on est pas mal. Vous voyez, on bat un ennemi en 2-3 coups, donc ça devrait être pas trop mal. Par contre, il y a un truc aussi que je voulais vous dire, évitez de trop spammer, parce que en fait, dans ce jeu aussi, bah, comme vous savez, il y a l'endurance à gérer. Ça, c'est une des premières choses. Donc il nous a vu, hein, ça sert à rien de se cacher. Et on bat les gars à la masse. Là, vous avez entendu? Voilà. Et quand il est stunné comme ça, bon moi je suis resté devant, mais vous glissez derrière et puis vous appuyez un petit coup d'épée, comme si vous faisiez un backstab. C'est un backstab, comme un coup de couteau dans le dos, pareil, en mode silencieux, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que comme il est à genoux, en train de se débattre entre guillemets entre la vie et la mort, bien évidemment le mode furtivité fonctionne toujours. Juste voilà, attendre le bon moment. Il nous a donné une pierre de forge et des carreaux, vous voyez, comme quoi j'avais oublié quel est ces trucs. Alors déjà il va falloir se débarrasser de ça, on va le faire à cheval. Vous avez une monture, servez-vous-en. Voilà, ils sont pas très durs à tuer. Mais elles peuvent être très 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 dangereuses. Alors faites attention. Le problème c'est les soldats là. On va essayer de les aggro sans prendre l'aggro des soldats. Voilà, un petit coup comme ça en passant. Oh. Ouais, ils ont un cri qui stun. On va accélérer un petit peu. Ouais, voilà. Ah, m'a esquivé. Voilà. Là, elle m'a pas esquivé, là, par contre. Ouais. Alors, attention. Hein, si vous voyez que vous perdez l'avantage, ne prenez pas plus de risques que ça. Buvez une potion. Recentrez-vous. Attendez le bon moment. Voilà. Et là, comme j'ai buté, en plus, quand vous tuez un groupe d'ennemis et que vous avez neutralisé tout un groupe d'ennemis, vous retrouvez toutes vos potions. Donc, prenez votre temps.
Si on va essayer, ça serait bien de prendre un avantage sur lui avec une fufu, mais on va avoir du mal. Donc ça sert à rien. On va. Vous voyez, là j'ai fait une erreur. Une erreur. Oui. On va essayer de slider. Voilà, cri barbare. On est bien. Ils sont pas évidents à battre, hein. Faites très attention quand même. Donc là, ici, le but, c'est de pas d'éliminer les chiens en fait qui sont juste là. Donc là, j'ai targeté le soldat. Et avec le stick, je me suis arrangé pour viser le chien. Nous, on va prendre un couteau de lancer comme ceci. On va prendre un kunai. Bon. Deux coups, c'est parfait. Où est le chien? Alors attention parce que les chiens s'ils bougent. Voilà, attendez qu'il aille en ligne droite comme ça. Il me reste un seul coup. Non mais j'ai plus de kunai, donc là ça va être trop problématique. On va faire voilà. Bon, vous avez vu que la graine dorée sert quand même, hein, parce qu'il me reste plus qu'une seule potion. On pourrait tuer lui, hein. On va le tuer. Alors pourquoi j'ai décidé de le tuer, c'est parce qu'il y a le chien. Alors les chiens c'est pas grave, hein. Vous les laissez, ils font une double attaque les chiens. Vous contrez, une. Voilà, il fait le gaffe, il réattaque tout de suite après. Donc, hop, voyez mes PV. Voilà, là on l'a bien contré. On récupère. Bon, pff, les carreaux, franchement. Si vous jouez à l'arbalète, gardez-les, mais. C'est derrière. Comme ça. Hop. Voilà, vous passez ici. Et. Oui, il y a des trolls dans le jeu. Donc là, on récupère un couteau aiguisé et des cendres. Donc là, je vous ai bien guidé pour le début, je pense. Tout ce que vous avez à faire, c'est farmer. Maintenant, maintenant, on est avec vous. Il y a une zone assez pas évidente au début, mais je pense que c'est faisable. C'est faisable. Maintenant, faut voir à quel niveau. Combien j'ai de points là? Je les vois pas. 1300. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite. Ouais, on va se TP. On va aller à la forge. Voilà, donc. Hop. Pour l'instant, vous avez accès qu'à un seul endroit. Hein. Voilà. Il y a des vendeurs. Il y a un vendeur, mais il y a qu'à un seul endroit. Pour l'instant. D'accord?
Donc là, on va pas vendre ce qu'on vient de crafter, mais on regarde si c'est quand même. On voit que j'ai des runes de forge et des cendres. Donc là, les cendres, je vais pas les utiliser parce que j'ai pas d'armes. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va déséquiper les runes, les carreaux. Vous voyez pourquoi j'aime pas du tout que les carreaux s'équipent automatiquement. Il nous manque une petite tunique de maille et puis surtout, ce qui serait cool, c'est ça serait vraiment d'avoir une épée, quoi. Bon, on l'a pas. Mais on va voir si on peut acheter une arme ici. Non, visiblement pas. Donc on va pour l'instant vendre ce qu'on peut vendre. C'est-à-dire ça. Voilà. Alors, farmer les chevaliers là qui sont là un petit peu. De temps en temps, il lâche une petite épée. Donc voilà, si vous avez la chance, vous aurez une épée. Bon, vous avez vu, j'ai droppé 3 bouts d'armure en très peu de temps, alors que bon, avec mon perso, j'ai galéré. Et nous, on va monter le niveau. La première chose, je dirais que bien évidemment, c'est de monter la force. Donc j'ai mis 12. Voilà. La prochaine stat à monter, bien évidemment, ce sera la vigueur. Et puis là, la force, la vigueur, vous visez au moins 1000 points de vie. Pour la force, ouais, il faut monter les PV, hein, parce que sinon, c'est compliqué. Ensuite, je pense qu'on a fait le tour. Il y a un passage, il y a un passage secret qui vous amène à un endroit où vous pouvez farmer des points de compétences. Qui vous amène sur une île qui vous retrouvez de l'autre côté là-bas. Et je vais vous montrer ça tout de suite. On va y aller sans attendre. On va prendre le cheval. Et on va y aller. On n'a pas d'armure, c'est pas grave, mais c'est juste pour vous montrer. Et puis pour moi, ça sera l'occasion de vous montrer que y aller trop tôt, c'est pas une bonne idée non plus. Mais c'est un bon endroit si vous partez avec un personnage level 1 et que vous voulez monter votre personnage. Je vous conseille plutôt de farmer dans le coin parce que ça rapporte pas mal de ressources. Essaye de. Non, bon, c'est pas grave. Faire attention à ce truc là. Vous voyez, ils sont encore apparus. Voilà. Alors. Est-ce que vous voyez cette grande épée? Je sais pas, je crois que c'est par là. Ouais, je crois que c'est par là, enfin, dans ces alentours là, il me semble. Il y a un camp avec quelques soldats dedans. Et il y a un coffre où un cadavre, je crois, vous récupérez un parchemin d'artisanat. On va pas y aller tout de suite. Donc quand je vais terminer la vidéo sur ça, je pense que ça vous aura bien aidé au début, ce que je vous ai montré. Pour les donjons, bah ça va, les petits boss de donjons sont pas durs à prendre en main. Pensez, ah d'ailleurs j'ai oublié un truc important, c'est d'équiper, vous voyez, de mettre les loups ici. Voilà. Alors la nuit, vous avez ce destrier. Magique là. Nous, on se dirige par là. Bon, ça y est, il est parti. Alors. Vous voyez la grande tour là, vous allez en direction de la tour. Hop. Comme ceci. Et là on voit qu'il y a quelque chose. Donc on va y aller. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, curiosité. On l'active. On peut se reposer si vous voulez. Ça vous remet vos potions, ça vous remet vos points de vie.
J'ai pas les points. Oui. Là, on a monté un peu la force, c'est pour les dégâts. Je pense qu'on est juste, hein, quand même. Donc là, l'idéal aurait été d'abord d'aller là-bas. D'ailleurs, on va d'abord y aller, mais en sprintant, et on s'arrête pas. Donc on y va avec le cheval. En même temps, vous récupérez. Voilà, faites. Voilà, vous récupérez tout ça. Ici. Vous récupérez ça. Voilà. Donc là maintenant, faites attention parce que là, ici, ça pique un peu. Hein. Il y a un chandelier. D'ailleurs, il y a des événements la nuit qu'il n'y a pas la journée des fois. Alors faites attention. Donc nous, on revient ici. Maintenant, on a la carte, ce qui me permettra pour moi de vous montrer où est-ce qu'on va. On va aller activer, on va aller dans la ruine ici. Il y a une chapelle. Et dans le creux ici, il y a un téléporte qui va nous envoyer dans un autre monde. Enfin, sur une autre île, sur un autre bout du continent. Donc, si vous voulez pas être spoilé. Ici, vous avez une quête. Vous avez un PNJ sur le toit, là, d'ailleurs, vous le voyez en haut, là. Regardez bien tout en haut. Sur la ruine, vous voyez quelqu'un qui bouge, il demande de l'aide. Alors lui, il vous donne une quête. D'ailleurs, on va le marquer. Non mais je veux supprimer la balise. Voilà. On va mettre un repère, on va mettre un PNJ. Alors lui, il vous donne une quête qui est à réaliser en fait. C'est ici qu'il fallait la réaliser. Voilà, je vous donne l'endroit. Ici, hop, on va mettre un petit bastion. Voilà, il vous demande d'aller tuer les gens qui ont pris possession de son château. Donc, vous allez le tuer. Il y a un capitaine ici, qui est comme le camp en fait. Ici, sauf que bon, ben il y a plein de soldats, et puis il faut rentrer. Il y a des rats aussi à tuer, des espèces de trucs qui balancent des cocktails Molotov. Donc, faites attention, des cocktails Molotov, ça y ressemble. Donc c'est quand même pas évident. Ici, on trace. Hop, on prend la graisse magique, ça peut servir. On trace. Vous n'êtes pas obligé de combattre dans Elden Ring, c'est ça qui est bien en fait. De toute façon, il faut que vous soyez conscient de vos forces et de vos faiblesses. Ici, on a un géant, on va l'éviter bien gentiment parce que ce serait vraiment dommage de prendre un coup et de nous mourir. Voilà, donc là on est arrivé à la ruine que je vous disais. Et c'est fantastique parce que pour le coup, quand vous découvrez des ruines, mais en fait vous allez découvrir. Vous pouvez trouver des larmes de cristal. Donc ça, ces larmes de cristal, elles nous permettent de créer une espèce de fiole un peu différente des autres. Ici, on va prendre la larme de vie qui va nous permettre d'améliorer nos potions. Et là, on va activer la grâce. Et on va aller modifier nos potions. Alors là, normalement, je crois, si je me rappelle bien, il en faut deux, mais je suis pas sûr. Donc, si on fait ajouter une dose, il nous faut une graine dorée. On l'a pas. Donc, on est manqué. Et si on fait améliorer, il nous dit qu'il faut utiliser une larme de vie. Donc, la larme de vie, c'est ce qu'on vient de looter. Ça fait qu'en fait, on va regagner plus de points de vie quand on va utiliser une fiole. Donc là, c'est bien. On l'utilise, comme ça au moins c'est fait. Nos potions sont plus puissantes. Et ensuite, maintenant, on va répartir les doses dans les fioles. On va laisser comme ceci. 5, c'est très bien. Voilà. Donc, on appelle le canasson. Et alors, la grotte que je vous montre, il y a une autre façon aussi de la découvrir. Mais moi je vais vous montrer celle-là.
Donc comme ça au moins, là, c'est pas une grotte, hein, c'est un autre lieu. On descend, on examine, oui, et on voyage. Alors vous avez deux endroits ici. Vous avez un géant ici là. Il est endormi. Ne le touchez pas. Ne faites, vous approchez pas de lui sinon il va vous tuer. Vous ouvrez la porte. Vous avez un PNJ ici. Il s'appelle le clair bestial. Donc vous pouvez pas y aller pour l'instant. Je sais pas ce qu'il fait si on lui parle. Normalement il faut avoir un objet bien précis pour pouvoir lui parler. Je suis pas sûr qu'on puisse... Vous voyez, on peut pas lui parler. Donc en fait on n'a pas accès à la quête. Donc c'est très bien comme ça. Au moins je vous spoil pas. Donc là on a activé le TP. Et regardez, on est pratiquement en dehors de la map. Hein. Ici vous voyez on a le sanctuaire bestial. On va contourner parce que la dernière fois il m'a gros. Voilà. Nous on va tracer direct en bas. Et vous voyez les petites espèces de lutins noirs là ici. Enfin noirs pardon. Ben, du coup c'est ça qu'on va... Hop. Voilà. On récupère la graine dorée. Du coup on aura une potion supplémentaire. Pour le coup ça va être vraiment cool. On évite l'aggro quand même, hein, parce que bah, ils font très très mal. Ça vous arrivera de mourir, mais c'est pas bien grave. Et au final, hop. On... Je pense que maintenant tout le monde connaît cet endroit. Hein. Ça a dû se répandre comme une traînée de poudre sur internet ce truc. Mais les devs ont vraiment mis cet endroit pour que les gens puissent faire un peu d'XP, surtout pour les gens qui jouent. Ben, l'indigent qui démarre au level 1. Donc maintenant ce que si vous êtes un peu bas niveau, mais je pense que si vous venez avec un samouraï vous avez largement de quoi faire, vous pouvez one shot le truc. Alors attention qu'il vous voit pas, essayez d'avoir l'avantage sur eux. C'est quoi? Ah oui c'est des trucs funnés. Il y a des trucs que je ne sais absolument pas à quoi ça sert, je vous le dis honnêtement, ne me demandez pas. Je serais incapable de vous le dire. Donc là, il m'a vu, vous voyez. On va s'approcher. Je lui fais 340. Vous voyez, ils font très très mal. J'ai pas le level encore. Hein. Normalement, je devrais pas être là. Mais c'est pour vous montrer. Alors, quand ils font ça, vous voyez, ça one shot. Donc bien évidemment, si vous venez avec un samouraï qui est level 9, vous allez normalement vous devrez pouvoir vous en sortir parce que vous avez déjà toutes les stats nécessaires pour pouvoir résister à ce genre de créature, surtout au niveau des dégâts normalement, parce que comme vous avez vu, moi j'ai pas fait beaucoup de dégâts. Donc là, les 100 points... Faites des attaques lourdes. Ça vous laisse tenir. Et là, au miracle, regardez, j'ai eu 1000 points de compétence, 1040. Il vous donne, bon là c'est un peu, c'est pas évident, vous avez vu que je suis... Ils sont, voilà, ils sont pas évidents à faire, mais nous on va aller tout de suite. Donc évidemment, Forgive me.
Alors, oui. Alors, quand elle apparaît comme ça au feu de camp, qu'elle vous demande est-ce que vous voulez aller à la table ronde, vous dites non pour l'instant parce que ça vous sert à rien. Ce que vous voulez, c'est monter niveau. Alors, on a mis 12 de force, ce qu'on veut. Voilà, là on a mis. Allez, on a toujours pas d'épée. Hein. Et au début, bah, quand vous êtes bas level, malheureusement, vous n'avez pas le choix. Il va falloir s'y prendre vraiment judicieusement, c'est-à-dire. Alors j'ai toujours petit ma graine dorée avec un backstab comme ceci. Voilà, on le re-cible. On le re. Un grand coup comme ça. Ils font très très mal. Donc là. 1500. On va utiliser une potion, on va prendre le risque. Donc vous butez celui-là. Je vais vous montrer le parcours une fois. Comme ça au moins vous l'aurez dans la tête. Et vous butez celui-là. Vous marchez bien évidemment. Il est ici, faites très attention. Il va vous voir. Bon, c'est pas grave. Oh putain. Bon, oui, tu vois. Vous en avez un ici. Est-ce que je peux... je vais essayer de vous les montrer, de vous montrer le parcours, parce que là, évidemment, j'ai pas le niveau. Enfin, tu es juste celui-là qui est à côté au début, jusqu'à que vous soyez level assez haut level pour pouvoir commencer à les enchaîner. Vous avez celui-là que j'ai essuyé. Vous avez donc celui-là. Vous avez bien évidemment, vous en avez un peu plus loin, celui-là que j'ai situé, qu'à l'espèce de chaîne qui m'a tué. En remontant au milieu du champ, vous en avez un. Tiens, là, hop. Vous faites attention. Donc vous avez celui-là qui est en bas près de l'arbre qui m'a tué. Vous avez celui-là qui est au milieu du champ, qui est juste là, on le voit pas. Hein. Regardez, hop. Donc faites très attention dans le noir, on ne le voit pas beaucoup, on ne le voit pas bien. Et puis vous avez un qui est caché ici, en haut. Donc si vous faites ces 4 en commençant par celui du bas et en remontant vers jusqu'à lui, vous le tuez et vous récupérez les deux petits champignons qui sont par là. Et on va essayer de le faire lui. Vous voyez, un grand coup dans sa tête. Vous avez vu, il y a une frame. Et là, dès qu'il... c'est pour ça que dès qu'il vous touche, il vous tue. Hein. Donc vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc il faut. C'est pour ça que je déconseille aux gens qui sont level 1 de venir ici. En tout cas, d'essayer de faire la. D'essayer d'en faire 5 ou 6. Déjà, si vous arrivez à faire celui-là, ben, ça sera déjà bien. Mais c'est même peut-être un petit peu trop risqué. Moi, je vous dis honnêtement, venez aux alentours de level 5, 6, comme vous voulez, je suis. Là. Moi, je suis level 4. Donc là, en fait, l'idéal, ça serait quand même d'avoir 12 de vigueur. Peut-être un peu plus, peut-être même plus, vous voyez, entre 12 et 15. Donc. Mais c'est faisable, avec en faisant très attention, bien évidemment. J'y suis arrivé une fois, il n'y a pas de raison que ça marche pas une deuxième fois. On dit jamais 203. Allez. Le premier. Voilà. Il faut bien trouver la synchro. Voilà. Vous voyez, 1094, je disais 1040, mais 1094. Vous les tuez une fois. Le problème, c'est que dans l'idéal, ici, ça serait bien d'avoir une arme plus 1, plus 2, avec les runes de forge que vous avez trouvées. On va essayer de... Mmh.
Il y a un scarabée caché derrière le mur. Voilà. On va passer là. Retourner large et on va essayer de récupérer une bonne compétence. Quand vous explorez comme ça, la prudence voudrait que normalement je garde mes points de côté. Ok, en plus j'ai looté des kunai. Donc voilà, là j'ai 2000 points. Inutile de prendre des risques supplémentaires. Donc évidemment, vous faites attention, il y en a un ici. Un ici, au milieu du champ. Et vous en avez un plus bas au niveau de l'arbre, là-bas. Voilà. Donc vous commencez par la route que je vous dis en bas, vous tuez celui-là, ensuite vous tuez celui qui est au milieu du champ. Et ensuite vous tuez le dernier ici. Donc déjà si vous arrivez à faire ces 4, c'est pas mal. Une fois que vous êtes assez haut niveau, vous allez dire ouais, ça fait pas un peu juste 4 PNJ parce qu'après il faut tellement de PC. C'est vrai qu'il faut beaucoup de PC. Donc je vais vous montrer une fois après, vous prenez votre cheval. Vous faites juste un petit coup de cheval comme ceci. Donc là on va dire que vous êtes quand même un petit peu plus haut niveau. Vous êtes aux alentours du level 10, level 4, level 12 et vous voulez un petit peu plus d'XP, ce qui est normal. Vous désactivez votre cheval ici. Et vous venez près des rochers tout en vous baissant ici. Alors faites attention, sur la droite derrière, caché par les arbres, vous en avez un judicieusement caché. Donc vous venez près des ruines, vous voyez, voilà. Faites très attention, surveillez ces mouvements. Vous attendez le bon moment, soyez patient. Voilà. Et vous venez, celui-là, vous faites celui-là. Par contre, pour le tenter, allez, on va le tenter. Bam. Bam, on va, voilà, on lui met un grand coup. Alors, voilà, je te spam un petit peu, excuse-moi, hein, c'est pas très propre, mais c'est pas grave. Donc vous faites celui-là, et ensuite vous allez tout droit pour faire celui-là qui est là-bas. Il est un peu loin, je peux pas le cibler encore, et je pense que vous le voyez de là. Voilà. Donc là, après, vous venez tout discret, vous glissez dans son dos, vous le tuez. Et par contre, je vais vous en montrer. Là, vous avez le cycle. Hein. Les 4 d'en bas, les 2 de celui-là. Par contre, les 3 qui sont ici, je vous dis, avec l'expérience, si peut-être une fois que vous aurez l'habitude, vous arriverez à faire au moins celui-là, parce qu'il est détaché du groupe. Mais je vous dis, je trouve que c'est risqué, donc c'est à vous de voir. Et celui-là est faisable. Par contre, les autres là-bas, vous n'y touchez pas, ils sont ensemble. C'est compliqué. Voilà un petit peu le cycle pour faire des points de compétence facilement. Venez avec une arme. Ouais, je pense que si vous démarrez le samouraï, le guerrier ou des choses comme ça, comme vous avez des armes de base, des bonnes armes que vous pouvez monter déjà, passer facilement en plus 1 dès le début à la forge, puisque vous lootez des runes. Donc voilà quoi. Ah, et autre chose, n'allez pas sur le pont puisque vous avez un gentil dragon qui vous attend. Voilà. Donc, nous, on va aller là. On pourrait attendre un petit peu. Et là, vous voyez, on a 3000 points, donc on peut prendre directement. On peut passer directement la vigueur à 15. Et là, ça nous fait 522 points. Pas mal, hein. C'est tout ce qu'on veut. Peut-être montrer ça. Ouais, la force à 16, à 15. Alors, bien évidemment, vous pouvez monter la durance à 12. À 12. La vigueur, l'endurance, la force. La dextérité, bien évidemment, il vous en faudra un petit peu. C'est à vous de voir, mais moi, je sais que ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté. La vitalité à 15 comme ça. Ça vous fait 520 points de vie. Déjà un petit peu mieux. On va aller dans les fioles. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, on a une graine dorée.
Maintenant, on va répartir les fioles. Et vous voyez, au lieu d'en avoir 5, maintenant, on en a 6. N'utilise pas de magie pour l'instant. Cendre de guerre. Alors, pour rigoler, je pourrais m'amuser à mettre cendre de guerre là-dessus. Mais pour être honnête avec vous, je vois pas l'utilité. D'ailleurs, il y a un autre truc aussi qui est intéressant. Vous pouvez faire. Pardon. Vous voyez. Hop. C'est d'enlever le bouclier ici. Voilà. Et de le mettre là. Voilà. Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein, vous gérez votre équipement. Ça gêne pas. Hein. De toute façon, qu'il soit là ou là, c'est. Ça change pas grand chose. Mais par contre, un truc que j'aurais dû essayer, bien évidemment, c'est de jouer avec le cri de barbare. Et de jouer avec à deux mains, bien évidemment, pour faire plus de dégâts. Donc, vous mettez un peu loin. Vous venez en normal, hein, vous passez dans leur dos, hop, comme ceci. T'as vu? Il pardonne pas, hein. Même avec mes 520 PV. Donc là, je me suis foiré. Donc non, c'est pas terrible, en fait. Le cri de barbare, c'est bien parce que vous tapez plus vite. Bon, ça vous fait plus de dégâts, mais là, l'objectif est de concentrer sa force. Donc en fait, c'est pas terrible. Ouais, on va garder comme ça. Voilà. L'objectif ici, c'est de bien... On avait une bonne technique, là. Marchez bien. Ok. Il m'a vu, mais il m'a pas vu. C'était juste, hein, il allait se retourner. Donc voilà, hop, et dès qu'il a sommé, on lui remet un coup. On charge l'attaque, hein. On peut leur faire trois fois, hein. Alors sachez que de temps en temps, ils vont vous dropper un petit bout d'armure, une petite arme, des choses comme ça. Voilà. Et bien évidemment, après. Voilà. Donc là on a 1300, on peut aller remettre en point de compétence. On va les mettre en force, en vitalité, en point de vie. Vous gérez votre perso comme vous voulez. Je pourrais pas vous donner la solution avec un caster, un magicien, parce que je ne la connais pas, je ne vois pas. En tout cas, j'ai pas essayé. Je pense que le mieux c'est d'aller au corps à corps, même si vous faites pas beaucoup de dégâts. Et vous chargez une attaque, vous avez vu, vous les tenez. Vous vous tournez dans le dos, vous refaites un backstab, etc., etc. Donc ça, c'est le mélange miraculeux qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc il nous faut deux ingrédients pour avoir une fiole miraculeuse qui aura des effets différents en fonction de ce que vous allez mettre. Donc il y a plusieurs éléments à trouver, bien évidemment. Là, on a encore 1300 points, donc on peut mettre un point de force, par exemple. Vous voyez, on augmente grandement nos dégâts et notre résistance, bien évidemment. Ou on rajoute encore des PV. Ou on rajoute, bien évidemment, en endurance. Ça peut être utile. D'ailleurs, vous noterez que si vous mettez de l'endurance, votre résistance physique augmente. La dextérité, pareil. Voilà. Et bien évidemment, une compétence que je vous recommande de monter aussi, c'est l'ésotérisme. Pourquoi? Parce que l'ésotérisme, comme vous pouvez le voir ici, c'est marqué. Elle vous donne la possibilité de découvrir des objets supplémentaires et affecte également la défense contre le sacré, etc., etc. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment une bonne stat parce qu'elle fait plusieurs choses en même temps. Donc elle fait pas uniquement, elle vous permet de découvrir des objets magiques. Elle vous permet aussi d'être protégé un petit peu contre certaines magies. Donc c'est quand même pas mal. Donc moi je l'ai monté, après vous faites comme vous voulez. De toute façon ici, moi ce que je conseille pour les guerriers, c'est bien évidemment la force, la vigueur et l'endurance. Hein. Donc là d'ailleurs on pourrait mettre un petit point. Endurance. Voilà.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était pour vous expliquer un petit peu hein, comment réussir tout ça. J'espère que comment bien débuter entre guillemets. C'était vraiment une vidéo pour débutants. Je sais qu'elle va être hyper longue la vidéo, mais si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et dites-moi ce qui vous intéresse ou quoi. Et puis moi, ce que je vais faire, c'est je vous montrerai avec je vous montrerai mon deuxième perso, voir où j'en suis. Mais sachez que si vous cherchez un bout d'armure, bah, vous mettez les PC de côté et vous retournez acheter au début, en tout cas, voir le marchand ici, acheter une petite maille à 1000 points de PC, c'est pas non plus la mer à boire. Par contre, vous avez vu, il y a la PNJ qui m'a demandé si elle voulait, même, elle m'a proposé d'aller à la table ronde. Si vous avez 7, 8, 9, 10 ou même voire pas mal de PC de côté, dites oui parce que à la table ronde, c'est un lieu spécial où il y a un marchand qui vend des armes, des armures. Donc vous pourrez acheter un arc long, vous pourrez peut-être acheter une grosse armure, je sais pas, ça dépend ce que vous voulez jouer. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais sachez qu'il y a plein, il y a un petit endroit secret ici, mais je sais que vous pouvez en trouver un qui va vous amener vers là-haut, là-bas. Très très chaud, voilà. Donc n'hésitez pas à jeter, à explorer un œil. Pensez à explorer en fait. Parce que ici, quand même, vous récupérez, par exemple, là, si vous tuez le faux joueur, parce que c'est en vérité, c'est l'IA, hein. Vous allez récupérer une super dague et à l'intérieur du donjon vous allez récupérer un truc vraiment sympa parce qu'il y a un donjon juste à côté. Par là aussi, il me semble qu'il y a des donjons. Vous continuez par là. Oui, vous continuez par là. Tout au bout, je crois qu'il y a un donjon, il me semble, si je me rappelle bien. Donc voilà, il faut vraiment vraiment explorer. Puis il faut pas hésiter à fouiller dans les ruines. Vous voyez ici, il y a des ruines là, ici à fouiller là. Il y a quoi encore ici aussi, vous voyez, là. Donc là vous arrivez dans des zones, voilà, vous allez découvrir d'autres zones. Faut pas hésiter à explorer parce que la carte elle s'agrandit énormément et on a l'impression qu'elle est petite, mais non, en fait elle est vraiment très très grande. Voilà, moi je vous souhaite à tous un bon jeu, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle est vraiment très très longue cette vidéo, mais c'était vraiment une petite vidéo pour vous dire, regardez, si moi je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Je suis pas non plus voilà quoi. Vous voyez, hein, j'ai quelques stratégies. Bon ben, vous mettez derrière un bouclier, hop, vous mettez un grand coup, ou vous sautez, mettez un grand coup, ou vous pouvez sauter et mettre un petit coup, c'est plus rapide. Voilà. Donc quand vous voyez ces petits crânes lumineux là, n'hésitez pas à les casser. Moi, ce que je fais, c'est que je leur roule dessus, c'est plus simple. Et après vous allez dans l'inventaire comme ceci et regardez, faites utilisation multiple, hop, 2, voilà, 400 PC, ok, on retourne dans l'inventaire, on va utiliser 1000 PC, ça non, 1600 PC, bah vous voyez, 2500 PC, on allait partir, regardez, comme quoi le monde est vraiment génial avec nous, on va mettre... Un petit point de vitalité en plus, 547 PV, c'est pas mal. Hein. On va rajouter un point de force. Et là, on commence à être level 10. En fait, vous savez quoi? Hop. On y reviendra. Vous inquiétez pas, vous pouvez vous TP. Hein. Ce qui nous manque cruellement, c'est une arme. Hein. C'est vraiment, vraiment le problème. Vous allez acheter ça. Parce que là, j'ai vraiment pas le choix. Parce que je m'en serais bien passé. Mais si vous êtes torse nu, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas rester torse nu. Sinon, vous avez des pas de résistance. Voilà. Là, au moins, vous avez la tête. Alors, vous êtes un petit peu protégé. Vous avez. Un bouclier, bon certes vous avez une arme pas terrible, mais c'est pas grave. Et vous avez un casque, des gants qu'on a looté tout à l'heure. Ensuite on a récupéré les invocations qu'on a mis sur la petite bourse cachée.
Seigneur. On peut pas les invoquer ici, hein. Faut... Voilà. Et hop. Là, vous voyez, ça invoque trois loups. Voilà. Donc faites attention au destrier là-bas, il est très très violent. Moi je l'ai battu dans ma partie, mais il est quand même pas évident. Donc voilà, je vous conseille bien évidemment d'être prudent, de prendre votre mal en patience. C'est pas un jeu, c'est un jeu où il faut désapprendre ce que vous avez appris dans le jeu vidéo. Il faut vraiment être patient, prendre son temps, observer l'ennemi, attendre vraiment le bon moment pour lui mettre un bon coup. Et si vous mourrez, la méga astuce, c'est de dépenser tous ses points. Je peux vous assurer que ça peut paraître bête. Vous voyez, là, je peux mettre encore un point ici. Je me suis acheté de l'équipement et je peux toujours me mettre un point. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... je vais me rajouter de l'endurance. Voilà. Comme ça. Ou alors des points de vie. Voilà. Quoique ça c'est pas mal, hein. Ça m'intéresse bien ça aussi. La dextérité aussi, il faut pas l'oublier. Hein. Je sais pas, là j'hésite un petit peu. On va mettre des PV. Voilà. Hop, allez. On confirme. Donc là, vous voyez, je pars, il me reste 200 points de compétence. Si je meurs, je m'en moque, 200 points de compétence, ça va tellement vite. Que, voilà, donc n'hésitez pas, même si pour ça il faut aller chez le marchand, acheter par exemple, tiens, voilà, ben, il me reste hop 240. Ouais, voilà, là j'ai acheté 6 kunai, enfin des dagues, des kunai, des dagues de lancer, excusez-moi. Hop, on va les mettre, où est-ce qu'on va les mettre? On va hop, supprimer ça, on va mettre ça, ça c'est la fiole, la nouvelle potion, ici, hop, on va mettre. Les dagues de lancer, on en a 11. Hop, et on va mettre les couteaux. Voilà. Vous pouvez mettre ça en raccourci, par exemple, si vous voulez battre un boss, par exemple, qui est un peu plus difficile à battre. Voilà. Voilà un petit peu, c'est des trucs que vous les utilisez, vous induisez votre arme d'un truc magique. Il y a la même chose, mais pour le feu. Donc n'hésitez pas à utiliser ce genre d'item. Vous trouverez aussi des espèces de petits cristals bleus qui font des projectiles magiques. Il faut cibler, penser à viser la cible, avant de les utiliser. Voilà, hein, grosso modo, je vous ai expliqué. Après, pour les donjons, les boss, faites-les à l'aide de vos invocations. Invoquez les loups. Et certains boss ont du mal à résister à l'assommement. Donc n'hésitez pas à utiliser des coups puissants quand c'est possible. Voilà, après c'est esquiver quand c'est nécessaire, bloquer quand c'est possible. C'est préserver votre endurance. Attendez le bon moment pour mettre un bon coup. Mais il faut avoir quand même une bonne synchronisation, ne pas rester trop inactif, sinon vous allez vous faire tuer. Il faut montrer que vous avez du répondant, mais au bon moment. Voilà. Etc, etc. Je pense que je vous ai fait un bon début de vidéo qui sera peut-être en deux parties parce que ça me paraît un peu long. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, quand ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et si moi je peux le faire, vous aussi. Allez, prenez soin de vous et de votre famille, je vous fais un bisou, ciao ciao, bye bye.